Sur France Inter, on démarre cette soirée concert en deux parties avec vous, Rebecca Manzoni. Bonsoir. Bonsoir et merci, Delphine Evenon. On vous retrouve pour un nouveau flash dans une heure. Bonsoir et bienvenue à tous. Les murs, parce que les chansons des artistes de ce soir vous embarquent à Montréal, Tokyo ou dans les rocheuses de l'Ouest américain. Et en haut de cette double affiche aujourd'hui, il y a Arthur H et The Liminianas. Arthur H, compose au piano. The Liminianas viennent plutôt en grattant des guitares. Arthur H publie un nouvel album la semaine prochaine, un double album. Il s'intitule Amour chien fou, de la chanson française avec des ballades, du funk et de la lumière dans tous les cas. Et toujours cette voix de bourlingueur qui aurait pris froid, cette voix de crooner aussi, qui peut partir très haut dans les aigus. Arthur H en concert, c'est donc dans une poignée de minutes. À partir de 21h, The Liminianas prendront la suite. The Liminianas, c'est Marie et Lionel Liminiana, un couple à la scène comme à la ville. Leur cinquième album, Shadow People, paraît demain. Ils viennent de Perpignan, ce qui leur permet de faire rimer bagnole avec contrôle. Pour jouer du rock estampillé 2018, un rock qui puise dans le meilleur de la bande-son des années 60. Lionel Liminiana est barbu et j'ai entendu qu'on se nommait Lio. Ce qui me permet de vous annoncer que ce soir sur Inter, Lio porte la barbe. Et cette belle antenne va se transformer tout de suite en radio HH. Comme Arthur. Yeah. Il ne sait pas ce qui lui passe par la tête, mais vous allez le savoir. Rendez-vous dans la tête et dans la loge d'Arthur H, où je l'ai laissé seul avec un micro. Je vous le redis, son nouvel album s'intitule Amour chien fou. Je veux chanter pour la première fois, les chansons d'amour chien fou devant un public. Alors ça, je suis vraiment, vraiment heureux, quoi. Tu travailles pendant un an tout seul avec tous tes amis, tout ça, et puis finalement ton bébé après un an, donc il sort dehors, les chansons rencontrent, vont pour la première fois être émises dans l'air, rencontrer les gens. Et amour chien fou, qu'est-ce que je pourrais faire, amour chien fou? Est-ce que je veux juste me arriver, monter sur scène et me mettre sur le dos, mes papates ouvertes pour que Rebecca me gratte le ventre, ou non, peut-être un ambigu, peut-être je amour chien fou, je frétillais de la queue. Ça montrerait que je suis joyeux d'être là, amour chien fou, quoi. Amour chien fou, fatalement tu frétilles de la queue. Mais je sais pas si aujourd'hui ça serait peut-être pas vraiment possible de faire ça, ça pourrait être mal compris, mal interprété, pas frétiller de la queue. Peut-être juste avoir le museau légèrement humide pour montrer que déjà que je suis content, que je suis heureux. Et après, je vais aboyer, bien sûr, je vais aboyer de plaisir, je vais courir comme un chien fou, je vais me jeter dans le public, je vais sauter. Je sautais dans les gens, je sautais dans le studio 105, je veux mordre les gens et je veux leur insuffler le virus de la rage. De la rage d'aimer, de la rage de vivre, de la rage de partager la musique, de amour chien fou. Et puis après, on va vivre ce moment qui est toujours un moment touchant, le moment de la première fois. Le moment de la première fois, c'est fragile, c'est ça qui est vraiment joli, quoi. C'est joli parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas l'impact, on ne sait rien. Et quand on ne sait rien, c'est toujours assez délicieux. Et ensuite, je vais faire coucou Chepanier. Je vais tout simplement rentrer dans ma niche et je vais
je vais sucer mon os. Voilà. Je vais renier. Tu sais, ça pourrait être aussi mal pris, hein, c'est pour être dans cette période très politiquement correcte. Non, je ne vais pas sucer mon os, je vais renier mon os. Tranquillement, couche panier dans ma niche. Voilà. Amour, je tiens fou ce soir pour vous, avant d'entrer sur scène, Arthur. Titre de son disque, j'annonce son arrivée par un vers dont il est l'auteur et qu'on entend sur son nouvel album. Il chante « Comme une princesse qui pousse, je change de carapace. Il est un très belle femme. » Merci d'accueillir Arthur H. en concert. Ouais. J'aboie pas maintenant, on est mal barré. Bon, bah, on a tout dit déjà, j'ai tout dit, pas besoin. Bonsoir. Bonsoir. Je connais pas les paroles. Reine de cœur. Chérie, laisse-moi te
sort de sa tanière.
C'est là qu'elle fabrique son propre enfer. La dame du lac cueille une rose flétrie qui dépérisse à son approche. Ses secrets la dévorent de l'intérieur. C'est là qu'elle fabrique son propre enfer. Elle se révèle en jolie colombe, en princesse ou ballerine. Elle dansait dans la lumière, mais maintenant elle vit dans son enfer. La dame du lac est sortie de sa tanière. Sa paillasse ingurgite les liqueurs de sa mère. Le vieux Merlin muet comme vin de terre ressasse les chemins qui mènent aux impasses. Le vieux Merlin cloué sur sa paillasse guette le reflet de soleil. La gloire éternelle qui dans l'autre monde est en scène. Elle se révèle en jolie colombe, en princesse ou ballerine. Elle dansait dans la lumière, mais maintenant elle vit son enfer. La dame du lac est sortie de sa tanière.
de Lily Bell, la chanson. Lily Bell, symphonie. Jusqu'à la petite île, on y voyait comme en plein jour.
planète qui se levait. Sur le banc de sable, tu m'as frôlé et tu m'as embrassé. On est rentré, on n'en a jamais plus parlé. J'ai écrit un poème sous cette nuit, tu sais. Je n'ai pas osé te le dire, ça s'appelle le baiser. La dernière fois qu'on vous a vu, toi, Jim et l'Indien, c'est dans ce patelin à 50 bornes d'ici. Puis on a perdu vos traces, mais je vous imagine là-bas, loin, à l'ouest. Peut-être en Californie, tout est possible. En Californie, tout le monde a sa place. C'est vrai qu'elles sont très fragiles, mais c'est chouette quand même. De danser.
mais ça n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. L'esquive les coups, en boxeuse à rase. Ah.
Allez mes filles, folles danseuses, belles amoureuses.
La marée haute. La marée haute est descendue. La marée haute est descendue. Affaire assassine de la nuit. Oh,
La semaine prochaine, d'ailleurs, ce n'est pas seulement un disque, mais un double album avec 18 chansons. Et donc, vous en avez entendu plusieurs en exclusivité ce soir, depuis la scène du Studio 105 de la Maison de la Radio. Bonsoir, Arthur H. Bonsoir. On se fait des films quand on écoute vos chansons. Bah, c'est important pour vous, ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Je trouve que les chansons, ça peut faire naître des images, des paysages imaginaires, mais qui parle de nos émotions, de notre peau, des sentiments très fragiles, très intimes, comme ça. Et oui, effectivement, moi j'adore les images. Quand j'écris des chansons, j'ai toujours envie que ça fasse naître des paysages. Mais est-ce que vous pouvez partir de photos, justement, pour écrire des chansons ? Des photos de chiens ? De chiens fous ? Alors, des photos de chiens, je ne sais pas, mais sur votre site, j'ai vu une galerie de photos, et j'ai vu un portrait de Pierre Richard. Oui. Alors ? Pierre Richard, chien fou. Parce qu'il a des cheveux comme un peu comme un cocker. Ah, c'est ça. J'aurais dit plutôt caniche, mais bon. Moi, je suis plutôt du style bulldog, moi. Ah ouais ? Ouais. Ce soir, vous avez joué les titres d'Amour chien fou pour la première fois en public. Pour la première fois, pas tout à fait. Parce que ces chansons, elles ont été présentées avant même qu'elles ne soient gravées sur disque, ouais, à la Maison de la Poésie. Oui, tout à fait. Ouais. On a enregistré le disque dans cet endroit magnifique qui est la Maison de la Poésie, qui est un endroit à Paris très très ouvert à tous les auteurs du monde entier. Il y a énormément de passages. Et puis avec Nicolas, effectivement, avant Nicolas le disque, Repac, donc, Nicolas Repac, qui était à la guitare, et après, on a essayé les chansons devant les gens. C'était un petit public, mais très chaleureux, comme un laboratoire. Que je me trompais beaucoup. C'était bien. Et est-ce que, même pendant l'enregistrement du disque en studio, vous essayez de reconstruire les conditions de la scène ? Et bien là, à la Maison de la Poésie, on a enregistré sur la scène de leur petit théâtre, qui est un théâtre magnifique que j'aime beaucoup. Donc on a mis tout notre capharnaüm, la batterie, il y avait deux pianos, il y avait plein de claviers, il y avait des masques mexicains, et des trucs de temple balinais, et un orgue, et la guitare de Nicolas, tout ça. Donc tout ça était sur la scène et devant un public invisible, et j'ai beaucoup aimé jouer devant ce public d'esprit. Parfois, quand je chantais, je pensais qu'il était rempli de gens que j'aimais, qui étaient là, qui m'écoutaient, ou de gens morts, ou vivants, enfin tout ça, mais c'était... Oui, on a joué devant une salle vide. Et c'est ce qui est très très bon signe pour la tournée, c'est-à-dire que la tournée va être pleine. Tu commences par une salle vide, après la tournée. Ah, c'est ça ? Ouais. La tournée, elle commence la semaine prochaine, région parisienne. Début février, à Gonflans, Sainte-Honorine. Gonflans. Gonflans. Alors, si vous dites « Salut Gonflans », ça me gonfle. Ça gonfle.
Putain, ça me gonfle. Elle plante toujours, ça me gonfle. Donc cette tournée, elle commence dans la région parisienne. Ensuite, elle va au Mans. Où ça? À Grenoble, et puis à Montpellier. Ouais. Et il y a une date, il y a des dates comme ça jusqu'au printemps, dont une au Trianon, à Paris, le 4 avril. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'être passé par la scène. Moi, je vous remercie beaucoup, Rebecca, et aussi France Inter, de me soutenir, et toute la chanson poétique française, qui en a bien besoin, vous êtes très présents, et merci beaucoup. Bravo. Il disait, tu veux un cachou? Et une fille répondait, non merci, je ne suis pas très drogue. Faut le redire. Non merci, je ne suis pas très drogue. Voilà, c'était le refrain des Liminianas. Un cachou, c'est de la drogue? Ouais, on va dire ça. On va faire le point en tout cas après Flash, pour voir si les Liminianas ont changé d'avis sur les hallucinogènes. Et pour bien d'autres choses encore. Quelle heure est-il? Bientôt dans 2 heures sur France Inter. On passe notre temps à tout partager sur les réseaux sociaux.